La famille, c'est comment? Ça va même s'éviter, Rito. Je tiens vraiment à faire cette vidéo-là parce que y a certaines choses qui me plaisent pas. Et puis, je voulais profiter aussi parler un peu aux fans des Bordeaux et donner une actu sur que j'ai franchement que j'ai vraiment m'a séduit. Et si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur Franky DiCaprio et Claire Bailly avec le son roulé et puis Dohou qui cartonne fort actuellement. Et Kedjé Barra aussi, lui aussi, tellement il est inspiré, tellement actuellement il est inspiré. Franchement, c'est un artiste que j'admire beaucoup, hein, ce Kedjé Barra là. C'est-à-dire, les années passent, mais il se réinvente toujours. Et c'est quelqu'un à féliciter, honnêtement et franchement. Kedjé Barra, mais Badam Poudou, toucher le sol. Mais Badam Poudou, franchement, ah, 2019, ça lance très fort, hein, très très fort. Il y a encore un troisième kiff qui rentre dans mon lot de kiff select. Voilà, je sais que mon artiste de Bordeaux, quand il m'a fait sortir un truc, vous serez encore la boue. Parce que actuellement, sans vous mentir, vous m'avez séduit. Kedjé Barra, Franky DiCaprio avec Corée, Doao avec Claire Bailly. Franchement, surtout sa danseuse, Piment Rouge, là. Franchement, elle est très très talentueuse. Donc, je vais vous laisser rapidement voir quelques vidéos du dernier concept de Kedjé Barra qui mousse fort actuellement. Franchement, les tout petits ont déjà adopté le concept. Je vous le partage. J'espère qu'il va vous plaire aussi parce que Kedjé Barra, c'est un patron. Vraiment, il n'est pas boss pour rien. Je vois un peu le travail qu'il est en train de fournir ici. Je le truc MC One. Et il s'oublie pas lui-même. C'est pas le genre de producteur du genre, bon, comme il a un poulain qui marche très très fort, du genre, il va rester sur ses lauriers. Non. Je me rappelle dans une de ses interviews, il avait dit que. Il n'y a pas un artiste coupé décalé qui est plus inspiré que lui. Lui, il a des sons, il a plus de 100 sons qui ne sont pas encore sortis. Et il a prouvé, il était très très inspiré en 2018 et il commence encore en 2019. Donc regardez encore ces vidéos-là et puis on répond rapidement. Comment vous le trouvez? Non, Kedjé Barra, il est méchant. Il est vraiment, vraiment méchant. Moi, en tout cas, moi, je suis très fier de mon coupé décalé. Hein.
Tant qu'il n'y a pas de clash, tant que nos artistes bossent comme ça, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Voilà. Nos frères camerounais vont commencer à être un peu inquiétés. Nos frères nigériens seront un peu inquiets. Parce qu'actuellement, là, les artistes ivoiriens, surtout ceux du Coupé des Galets, ont décidé de bosser et de vraiment bosser. Donc ça va vraiment, vraiment, vraiment chauffer. Donc félicitations à toi, Kidjavara. Moi, je valide ce concept-là parce que, mine de rien, il est dansant. Mais tu es inspiré. Tu es très inspiré. Sakana, Sakana, Golo, franchement, tu as fait trop sortir du concept en 2018 et tu n'es pas encore fatigué. Tu es en train d'enchaîner encore en 2019. En tout cas, big up à toi, Kedjevara. Big up à Frankie DiCaprio avec son couré. Big up à la mère, la première dame du Coupé décalé, Claire Bailly. Franchement, actuellement, vous me faites honneur. Je suis très fier de vous. Voilà, en tout cas, Kedjevara, tu m'as séduit. Bibadam poto, touchez le sol. Il bat un peu tout. Non, mon coupé de galère est trop intéressant, famille. Les béguines, excusez-moi, hein. Mais Abidjan est trop doux actuellement. Actuellement, le Daichi est en train de se truc concentrer sur son album actuellement. Donc, mais il le connaît. Il va faire sortir quelque chose. Voilà. Dès qu'il a son Dixtor, il va enchaîner. Voilà. Donc, actuellement, c'est beaucoup le Dixtor. Donc, je vous invite aussi à acheter. À acheter beaucoup aussi. C'est vrai que vous achetez en physique. En physique, franchement, ça se comporte très, très bien. Mais achetez aussi en stream. Voilà. iTunes, Deezer, Spotify et tous les autres. Forme de plateforme de téléchargement payante, c'est très très important. Vraiment, on te soutient et puis on prie que tu aies ce Dixtor là. Voilà. Maintenant, rapidement, je vais m'adresser aux fans de Bordeaux. Fans de Bordeaux, n'écoutez pas les personnes qui sont en train d'essayer de vous mélanger là. Actuellement, de Bordeaux va très très bien. Voilà, il va super bien. Qu'il continue à croire que notre de Bordeaux est fini, qu'il continue à croire que notre de Bordeaux vaut rien. Mais ce qui me plaît chez le mec, quand il fait sortir, tout le monde entier danse. Ses amis, ses ennemis, ceux qui l'aiment ou ceux qui l'aiment pas, tout le monde danse. Donc moi, je suis pas embrouillé. Moi, les regards s'embrouillent, les regards sauter, sauter. Moi, les regards sauter, sauter. Franchement, fan de Bordeaux, ne vous inquiétez pas. Actuellement, je vous ai dit que Bordeaux a presque fini son album. Et il se pourrait, ça j'ai pas confirmation, il se pourrait qu'il sorte en 2019. C'est pourquoi je vous demande de soutenir aussi l'album de DJ Arafat. C'est le coupé décalé qui gagne, c'est la musique ivoirienne qui gagne. Quand DJ Arafat va obtenir son Dixtor, tranquille, s'ils ne nous ont pas soutenus, notre bonne foi va faire que quand Bordeaux va faire son Dixtor, et il va faire son Dixtor, excusez-moi, son album, il aura aussi son Dixtor, peut-être même un Dixtor de platine. Donc soutenez. Faites, les amis, comme je disais là, soutenez. Faites les choses avec du cœur. Faites les choses avec cœur blanc. Voilà, même si demain, ils ne nous soutiennent pas, vous allez voir le résultat. C'est moi qui vous le dis. Donc sachez que il y a un clip en cours. Sachez que il y a beaucoup de sons en cours. Sachez que Debordeaux est en studio. Il est en spectacle. Les gens se moquent, mais il allait ramasser beaucoup d'argent au nord et puis il est venu. Donc tranquillisez-vous. Voilà, c'est pas petit artiste. Bientôt, dans le mois de truc mars-avril, tournée européenne. Donc, laissez les gens parler. Hein? Laissez les gens parler. Arrêtez de faire des comparaisons. Arrêtez de vouloir faire attention aux bassesses. Non, notre artiste est trop grand. C'est un dangereux artiste. On n'a pas besoin de s'embrouiller en fait. On doit s'entraider, s'unir, unir nos forces. Pour l'avancée la carrière de nos artistes. Voilà, c'est très très important. Voilà, sachez que Debodo va superbement bien. Il a le moral très 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 haut. Je vous demande pardon. Cultivons l'amour et vous verrez. Cultivons l'amour et vous verrez. 2019, les gens vont pas comprendre. On dit on parle comme ça d'habitude. Mais ce que les gens savent pas, on parle comme ça d'habitude, puis il y a des événements qui viennent et puis notre artiste est obligé de s'oublier. Mais cette fois-ci, il va se concentrer sur lui-même. Et puis vous allez voir ce résultat que ça va donner. Voilà, donc fans de Bordeaux, chers Magnan, soyez sereins. De Bordeaux vous fera énormément plaisir. Voilà. Je tenais à souligner ça. Voilà, parce que cette vidéo-là, ça vous donnerait quelques informations rapides. C'est très, très important. Maintenant, il y a un truc qui ne me plaît pas. Pour le lancer dans la même veine que ma vidéo de ce matin-là. Les mêmes internautes encore. Les amis, souvent, ayez un minimum de respect et un minimum de considération pour vos artistes. Aujourd'hui, vous êtes en train d'avoir un comportement qui peut créer division entre groupes Espoir 2000. Et ça, c'est pas bien. Valérie d'Espoir 2000 n'est pas le danseur de Pat Sako. Voilà, Pat Sako s'est débattu plusieurs fois sur plusieurs postes pour vous dire qu'il n'est pas son danseur. Même dans des interviews pour dire que c'est pas son danseur. Bien au contraire, c'est un gros pilier du groupe Espoir 2000. C'est le responsable du groupe Espoir 2000. C'est ce que vous ne savez pas. Voilà. C'est le directeur artistique du groupe Espoir 2000. Donc arrêtez de vouloir créer des divisions où il n'y a pas. Quand vous n'avez rien à dire, fermez vos gueules, s'il vous plaît. Voilà, on va essayer d'être grossier aussi avec vous pour voir ce que ça va donner. Voilà, l'impolitesse là. Les mauvaises manières, nous tous, on l'a. Mais,
pour l'éducation que nous avons reçue. On s'abstient et puis on essaie d'être poli et on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Notre bon côté, voilà. Il faut véhiculer l'amour, il ne faut pas te rester toujours là à rabouer, à rabaisser l'autre. Ça fait combien d'années qu'ils sont ensemble? Vous savez que c'est une chose qui crée de la frustration? Vous pensez que c'est une chose ça grandit? Vous rabaissez votre attise. Arrêtez ça. Les cœurs de trucs là, de choses là, des espaces de vous voyez qui fait ça. Les animations dans la chanson des espaces de vous voyez qui fait ça. Il faut arrêter. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est tellement, tellement responsable, tellement tranquille dans son corps. Vous n'allez pas à prendre votre comportement 2 à 5 francs pour venir le mettre sur sa personnalité. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça crée des histoires, ce genre de comportement là. Vos faux commentaires, vous déposez en regard de sur le poste des gens là. Ça crée des histoires. Vous ne savez pas chanter, vous ne savez pas attraper un micro, vous n'êtes jamais rentré dans un studio, mais c'est vous qui critiquez. Toute votre vie, c'est les critiques. C'est pourquoi votre vie sera toujours misérable. Vous manquez d'amour ou bien. Mettez un peu d'amour dans votre cœur, ça fait quoi? Il faut arrêter. Ok? Il faut arrêter. Notre musique ivoirienne n'a pas besoin de ça. Notre culture africaine n'a pas besoin de personnes comme vous. Vous êtes des personnes indésirables. Voilà. S'il y avait possibilité de vous supprimer même les réseaux sociaux, on allait le faire. Parce que vous exagérez maintenant. Quelqu'un va mourir, vous allez vous moquer. Quelqu'un va faire sa carrière, vous allez vous moquer. Quelqu'un est malade, vous allez vous moquer. Vous êtes né avant la honte ou bien. Vous êtes enfant du diable. Il faut arrêter, les amis. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc, force à toi, mon vieux Valérie. Voilà. Toi, tu es un artiste à part entière. Ça, les gens ne le savent pas, mais je vous le dis, c'est un artiste à part entière. Big up au père, Patsaku. Voilà. C'est la musique qui gagne, c'est le Zouglou aussi qui gagne. Voilà. C'était Hérito. Partagez la vidéo. Vous dites à ces imbéciles d'arrêter maintenant. Ciao, ciao, les amis.